Previously on AMC's The Walking Dead. Salut. Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pour la vidéo sur Walking Dead. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 14 de la saison 8 de Walking Dead. Alors j'attends énormément de cet épisode. Alors ceux qui ont vu l'épisode 13 savent pourquoi. On sait qu'à la fin de l'épisode 13, Negan a été capturé par Jadis. Alors d'après tous les petits trailers qu'on a pu voir jusqu'à présent, alors peut-être que certains d'entre vous ne les ont pas vus, on devrait voir dans cet épisode comment se passe cette capture avec Jadis, parce que ça va beaucoup tourner autour de ça. On devrait normalement voir un rassemblement entre Rick et Morgan qui reforment ce fameux duo complètement badass des premières saisons et qui vont tout simplement aller à la poursuite des sauveurs qui se sont enfuis de la colline. Alors sauveurs, bien entendu, je le rappelle, qui se sont évadés grâce à l'aide de Henry, hein. Ai-je encore besoin de le préciser? Alors je ne sais pas si on aura la chance de voir Oceanside, si on aura le retour du Commonwealth, si on aura un petit clin d'œil pour l'arrivée des chuchoteurs. J'espère en tout cas, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé assez souvent dans mes vidéos ces derniers temps. Mais c'est vrai que j'appréhende et j'espère l'arrivée des chuchoteurs dans la série. Je ne sais pas s'ils vont arriver, ni quand. Ou s'ils seront, comme ça a été plus ou moins dévoilé par beaucoup de gens, ou pensé du moins par beaucoup de gens, est-ce qu'ils feront l'arrivée dans Fear the Walking Dead? Peut-être que c'est le groupe qui fera le lien entre les deux séries. Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, les amis, on peut s'accorder sur une chose, c'est que c'est enfin le retour du bon Walking Dead comme on l'aime. Même si cette première partie de saison 8 a mitigé beaucoup de personnes, moi, pour l'instant, cette saison 8, bah, c'est une de mes préférées, en fait. La saison 6 était ma préférée, la saison 8, c'est ma préférée numéro 2. Voilà, tout simplement. Préférée numéro 2, voilà, tout simplement. Alors après, c'est... Voilà, chacun ses goûts, voilà, t'as vu, toi-même, tu sais... On va pas s'énerver, on va pas s'exciter, on va tout de suite passer à cet épisode 14. Et franchement, j'espère qu'on va passer un super moment tous ensemble. En tout cas, moi, je pense à 80% que ça va être le cas. Et donc, accrochez-vous confortablement à votre fauteuil, les amis, c'est parti. Donc c'est parti, on va lancer l'épisode, les amis. Donc cet épisode s'intitule « Still Gonna Mean Something », ce qui pourrait se traduire par « Y aurait-il encore quelque chose à rajouter ?» ou « Faudrait-il encore dire quelque chose d'autre ?» Enfin, un truc comme ça, en tout cas. Donc, on y va. On perd pas plus de temps. C'est parti. Ah, Jadis. Enfin, c'est le groupe, ouais. C'est... Donc ça reprend... Ça reprend au moment où Simon bute tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, là, ça passait pour morte. Blague pas là. Tu es dégueulasse. Putain, la porte. Ça fait mal au cœur pour elle, quoi. Mais ce qui est intéressant avec ce qu'on est en train de voir là maintenant, c'est que Simon avait également prévu de tuer Jadis, quoi. Le fait qu'elle soit encore vivante, enfin vivante, pardon, c'était pas voulu, en fait.
Ok. Donc là, on comprend pourquoi elle était dans cette tenue quand Rick l'a trouvée. Negan bis. Ça lui va bien, remarque la batte. Hein. Bah alors, mon petit Negan. Putain, sérieux quoi. Ah, c'est longtemps qu'on l'a pas vu, Ezekiel. Les escapés peuvent être en route au sanctuaire. Ils sont Henry's quarry et Henry Hollis. Il pourrait être une autre attaque. Maggie me besoin ici. Vous pouvez partir. Mais vous choisissez pas de. Dis-moi pourquoi. Vous, qui je pensais être la plus personne que j'ai vue. Elle a peut-être plein de cul aussi, Carole. Hein. Faut la comprendre. Hein. Stop by cowardice. Oui, ça fait 30 épisodes qu'on le voit plus parce qu'il est en train de chialer son tigre. Et il parle de l'acheter, quoi. Alors ça, c'était évident qu'elle n'était pas infectée, quoi. Ouais. On le savait déjà. Ça fait une semaine qu'on le sait déjà que t'es pas infecté, nous. Daryl, au début, il voulait pas le tuer. Elle voulait le tuer. Maintenant, elle veut plus le tuer, mais lui veut toujours le tuer. Elle a compris que Dwight, voilà, était pas peut-être pas si mauvais qu'il en avait l'air, quoi. Mais Daryl, il a quand même un peu de mal à se faire une raison par rapport à ça. Rick n'a pas lu la lettre de Carl. C'est pour ça qu'il agit comme ça depuis sa mort, en fait. Il sait pas ce que veut Carl, en fait, pour l'instant. Oh, le duo Carol et Morgan, enfin reformé. I wouldn't have killed all your people. Oh, that was the work of someone not following the program. But this is my mistake. I'll own this. I took a chance on someone, thought I was doing the right thing, and all I did was punch myself in the dick. Je me suis tiré une balle dans les couilles, les gars. I am sorry for this. I really am. I'm sorry that you lost all you had. But I know, in some way, I can help get it back. Non. Ah, oh, comment j'ai cru qu'elle allait lui péter la tronche avec sa batte. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des gamins dans Walking Dead, ils font tous que des conneries, quoi. Oh, j'ai cru c'était un rôdeur. J'ai cru c'était un rôdeur. Vous étiez censé. Vous n'êtes pas ici. Il n'est pas ici. Vous n'êtes pas ici. Vous étiez censé être là. Putain. Hey, Morgan, il est en train de devenir cinglé. Il fait peur, en fait. Ah, ça voudrait dire que le gamin, il est mort, en fait. Can't save the dead, Carol. You're not dead. I know. Not me. I don't die. I don't die. I just see it. Again and again. Again and again. Je vois des gens qui sont morts. Even when I look away.
Ah putain, Rick. Mais pourquoi ils l'ont tué aussi? C'est désespérant, quoi. Franchement. Ah bah, mais ça, c'est obligé. C'est obligé. Je ferais la même chose. Je pourrais pas rester en place, en fait. Where'd they go? We already told Mag Everett, so tell me. Sanctuary is our best guess. Pretty much our only guess. There's been some talk about trying to get out, but it was just talk, nothing specific. Thinking they had a plan, giving them too much credit, and they saw an opening and they took it. What if it was you? How'd you get back there? You're on foot, there's probably someone injured. Maybe you need a place to hold up and figure. S'il veut se racheter, c'est maintenant ou jamais, en fait. Hein. There's no dive bar 3 miles off Edge Hill Parkway. Some of them took me there once. They wanted my expert opinion on what did it take to turn the place into an outpost. It's between here and there, but the chances that actually... Hey! I don't know if this is any kind of a lead, but if you're going out there... It's not for nothing. Can you do me a favor? If you happen to find them... Don't kill any more of them than you have to. And when it went bad last night, they made a choice. It was the wrong choice. Some of them probably hasn't hit them yet. You could show them by bringing them back. You could do that. Yeah, I could. Il pourrait, mais il le fera pas. Ça c'est. C'est marrant, mais il a moins une grande gueule quand il est en danger, quand même, les gars. Hein? Bizarrement. Putain, et même dans cet état, il arrive à te faire marrer, quoi. Wow! You must not really want to do it. Because if you did, you wouldn't have left me sitting here with a bag full of guns. Found something else in there, too. Gotta think these snaps are near and dear. So let's have a chat. Putain, j'espère qu'il va pas la tuer quand même. J'espère que le gamin est pas mort non plus, parce que ça serait triste quand même. Même si c'est un petit con, ça reste un gosse, hein. Faut pas l'oublier. Je crois que c'était son œil. Ah, je pense que c'est... il veut tuer celui qui a tué le frère d'Henri, en fait. Enfin, celui qui a tué Benjamin. Bon, je me rappelle jamais son nom, tellement il a une gueule de con. Morgan. Bon. Leave those pictures alone. I figured they meant something to you. Especially considering this is it, right? Not like you can just pop around the corner and order yourself some prints. So I'm gonna ask you one more time. What the shit? Hey, this is how you kill people? That thing? Slowly? No. People are a resource. Threw the flare away. Please! They're all I have left. They're all this place has left. You took my world, everything. You took away me. Ouais, sauf que c'était pas lui, en fait. My wife's name was Lucille. Oh. She got me through. I didn't give her shit, and she got me through. Just life. Regular life.
the bat. The bat got me through this. So I named it after her. That's it. Nothing more to do with her than that. But it is the last little piece of her that I got left. Sort of like these snaps for you, huh? Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un hélicoptère. C'est quoi ce délire avec l'hélicoptère? C'est Commonwealth, c'est... Ça peut pas être autre chose en fait. C'est quoi ce bordel? J'espère qu'elle va expliquer dans l'épisode c'est quoi le délire. Je joue sur mes couilles, putain. Ah, Simon, tu vas tellement bouffer. Ça, c'est un psychopathe, Negan, mais tu sens quand même qu'il est humain, quoi. Il est super intéressant ce personnage, vraiment. Morgan. Hey, you know me. I'm not right. On peut se battre quand même. You're out here for them. Me too. And we finish it. You and me. Oh oh! Ça va chier, putain. Moi, il y en a un que je vois mourir. Et je pense que vous savez lequel je parle. Hein. Ah, j'ai pas rêvé. Ils sont fait pêcher. Non, j'y crois pas, quoi. Ah putain, ils sont fait prendre par ces connards. J'y crois pas. Hein. Ah, et puis il est là, lui, forcément. Ah là là, putain. That's right, because we lost. But things have changed. Delivering Rick the Prick to Negan is a win. We wiped our own asses on this one, and the big man is gonna recognize. Hey. C'est pas faux. He's awake. Ah. As it shine, Curly. Bouclette. Bouclette, quoi. Il a vraiment une gueule de con, quoi. Mais vraiment. Wait.
All good. You didn't want this. You made a split-second choice, and you chose wrong, but it's not too late. You cut us loose, you cooperate, we'll give you a fresh start. A chance to become part of our community, to become one of us. I'm giving you my word. Not a lot that's worth much these days, but a man's word. Là, c'est une chance, hein. Faut pas lui enlever ça, Rick. Wake up, everybody! There isn't any herd. There isn't any deal waiting back at Hilltop. You think these asswipes came here to save us? They came here for blood. Hell, this one strangled one of his own guys to death with his own hands. All Rick is saying here. Is a steaming pile of bullshit. I came here to do what I was supposed to. Kill every last one of you. You should save your bullets because you're gonna need them. That herd, it is coming. Maybe they'll hear the moans or the coughs, you know? Maybe they'll just stumble in through the open walls, but they are coming. And then after when you're just torn skin and loose teeth and blood, when you're nothing but the stuff that they didn't eat, well, that'll be a damn shame. Because there won't be a single one of you left for me to kill. Et Morgan, il fait plus peur que Rick quand même. We're done. Jump them and bounce. I want a sandwich. It doesn't change. It never changes. And I don't die. I don't. Nobody dies because everybody turns. Hey, everybody turns. Hey, you kill him. You ruin our chances from getting back to Hilltop. Yes, we've already killed you. Coming in. Ah, mais attends, parce que Rick et Morgan, ils sont attachés, quoi. Ah putain. Too weak to take on this herd alone. Cut us loose. Give us all weapons. We can help you. No, nobody's cutting anybody loose. I'm killing these pricks right now. Ah putain, il a voulu les aider, regarde. Et il se fait bouffer. Et lui se casse. Putain, mais. Ah, ils les ont sauvés. Ah, ils les ont libérés quand même. Non. Rick sauvé par un sauveur. Mais pourquoi? Non, 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 mais là, c'est abusé, là. Ils les ont aidés. Il y en a un, il lui a sauvé la vie à Rick, et il les bute quand même. C'est n'importe quoi, là, en fait, ce qu'ils font. C'est lui qu'il fallait tuer en fait, mais juste lui. Ah. Ah, ça c'est la mort que tu mérites, ça. Ça c'est la mort qu'il mérite, là. Cet enfoiré, là. Là, je suis content. Putain, qu'est-ce que vous avez fait, les deux?
Pourquoi t'as fait ça, mec? Pourquoi? Là, je suis dégoûté par ce que fait Rick, quoi. Encore Morgane, je comprends, parce que c'est dans son délire. Mais Rick, non, c'est... Save me. Why? Because. Because my son was there. With me, you know. Follow a new path. New path. The offer stands. I'll swing by again sometime. Who knows? Maybe you'll want to share. Ouais. Voilà. C'est le plastron d'Henri, ça. Il est pas mort. Il est pas mort. Putain, heureusement qu'elle est là, Carole. Ah, le clin d'œil méchant à Sophia là. Rappelez-vous, dans la saison 2, elle se cache dans un arbre, c'est quasiment le même décor quoi. La rivière, l'arbre. C'est super bien vu, c'est super bien vu. Ah. Carole et Henri. C'est tout mignon. Bah ouais. Il y tient Ezekiel à ce gosse. Ouais. Carole, c'est tout sauf une lâche. J'ai raison en fait, c'est un gros clin d'œil à Sophia. Et le fait que ce soit Carole qui retrouve Henri ici, c'est fort quoi. C'est très fort. Ah non, il s'est pas barré, Morgan. Il s'est pas barré. Il se demande si c'est un fantôme, s'il est réel. Ah.
killed him. I killed the man who killed your brother. I did. I killed him. I'm sorry. Ça aussi, c'est la même phrase qu'il a dite à Carl. Quand ils l'ont retrouvé et qu'il était devenu complètement taré, qu'il avait essayé de tuer Eric. Eh ouais, Eric, t'as menti, c'est pas bien ce que t'as fait, c'est vraiment pas bien. Je voudrais que tu la lises à l'aide de Carl, il va tellement se sentir con quand il va voir ce que Carl voulait. Shit, it still wouldn't look as shitty as you. Get in. Mais c'est qui? Il y a personne dans la voiture, je comprends pas. Ça peut pas être Jadis vu qu'elle serait partie après lui. Donc elle pourrait pas être devant lui sur la route. Yes, I am. But you're not gonna say a word, you understand? Daddy's home and it's gonna be a surprise. Yeah, I got all sorts of surprises to roll out. À moins que ça soit Laura. Et là. Looks like you're right. It's up and running. Là, ça va chier pour Dwight, quoi. Oh, ils veulent tuer Eugène. Ils veulent tuer Eugène. Mais non. Il va lire la lettre. Enfin, tu vas lire la lettre. Je crois que c'est la première fois qu'on les entend se dire qu'ils s'aiment les deux. C'est tout? On va savoir? Mais non! Sérieusement? Bon! Bah voilà! Va falloir se lancer. Bon, un épisode qui a été quand même très sympa. Voilà, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cet épisode. On a le retour, comme je l'ai dit en début d'épisode, du Walking Dead comme on l'aime. Il y a plein de clins d'œil. Un Morgan qui reparle de son fils. Rick qui évoque sa première rencontre avec Morgan. On a des petits clins d'œil avec Sophia aussi. Il y a Carol qui en fait mention. Il y a le passage où Henry est coincé dans un arbre entouré de rôdeurs. Tout ça, ça ramène bien entendu à Sophia. Je pense que les fans de la première heure l'auront également remarqué. On a Morgan qui pète les plombs et ça fait un petit moment que ça dure. Je pense que c'est fait exprès pour nous l'amener petit à petit à nous expliquer en fait à nous téléspectateurs pourquoi il va partir en fait et il va quitter le groupe. Alors je ne sais pas s'il va quitter le groupe avant la fin de la guerre ou après, c'est-à-dire dans le dernier épisode de cette saison 8. Je pense qu'il sera quand même là pour aider Rick et les siens à combattre une dernière fois l'armée de Negan. Alors Negan, on pourrait également parler de lui parce qu'il a quand même été pas mal dans la merde dans cet épisode avec Jadis. Alors c'est vrai que dans les faits, encore une fois, on assiste à quelqu'un qui veut peut-être tuer Negan, mais qui ne le tue pas, qui n'y arrive pas. J'ai l'impression en fait que depuis deux saisons maintenant, depuis la saison 7, toutes les personnes qui veulent tuer Negan n'y arrivent pas. C'est, je sais pas, il a une sorte de bouclier anti-mort autour de lui. Je sais pas comment expliquer ça, mais à chaque fois, c'est comme ça. On a Carl qui a été là-bas chez les sauveurs et qu'il aurait pu franchement mitrailler tout le monde. Je pense que Negan, il avait très peu de chances de s'en sortir s'il avait décidé de tirer à ce moment-là. Rosita qui a 2 mètres de lui mais qui tire dans la batte de baseball.
Rick a combattu plusieurs fois face à face avec Negan, mais n'a jamais réussi à le tuer. Par contre, Rick, qui est entouré de 40 zombies avec en plus des sauveurs, là, pas de problème, il arrive à buter tout le monde en 3 secondes. Je vais y revenir d'ailleurs à ce passage-là, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que au final, c'est assez ambigu parce que dans les faits, tout le monde veut tuer Negan, mais personne n'arrive à le tuer. Alors, dans les faits, il se pourrait qu'il soit fait prisonnier à la fin de la guerre, mais en sachant que dans les faits, personne ne veut le laisser en vie. Alors, est-ce que ce que la lettre de Carl dit à Rick va faire en sorte que Rick comprenne et ce que voulait Carl, tout simplement, et que ça l'amène, au final, à respecter ses dernières volontés en ne tuant pas, tout simplement, Negan. Alors, dans les faits, c'est quelque chose de très plausible, mais est-ce que dans la tête de tout le monde, c'est quelque chose qui va pouvoir être respecté? Parce que, bon, on a Maggie, on a Daryl, enfin, tout le monde, chacun de son côté, a subi quelque chose de la part de Negan ou des sauveurs. Donc, sachant ce que représente Negan, est-ce que ça va pas justement, par la suite, créer des conflits si on ne le tue pas? Alors qu'au final, si on le tue, peut-être que certains vont se dire au début, ouais, on aurait peut-être pu le laisser en vie, patati, pour honorer Carl, etc. Mais dans les faits, c'est pas forcément dit que Negan survivra à la saison 8. Après tout, ils ont bien tué Carl, alors que Carl est censé être un personnage important. On ne peut pas, en fait, définir à l'avance l'avenir de Negan. Ça a l'air très compliqué pour moi de le garder en vie, pas pour plein de raisons, ne serait-ce que par rapport aux problèmes que cela peut générer au sein du groupe, du fait que tout le monde ne voudra peut-être pas forcément le laisser en vie, mais parallèlement, le fait de laisser Negan vivant, c'est un petit peu comme si quelque part on laissait Carl vivant. C'est un petit peu ambigu ce que je dis, mais en sachant que la dernière volonté de Carl, c'était de ne pas tuer Negan, je pense que tout le monde, par respect pour Carl, pour la personne qu'il était, vont décider effectivement d'épargner Negan. Ça ne veut pas forcément dire qu'il aura la belle vie. Hein. Je pense qu'il va quand même en chier pas mal. Et ça, je pense qu'on le verra plus d'une fois à l'écran. Alors, c'est vrai que Henry, dans l'épisode précédent, avait agacé tout le monde en agissant comme ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant. Mais voilà, il ne faut pas oublier ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que les enfants, on le sait, ils font beaucoup d'erreurs, ça réfléchit pas forcément, ça agit sur l'instinct. Donc on peut pas non plus vouloir la mort d'un enfant, même aussi con qu'il peut être. Hein, même Lizzie, après avoir tué sa sœur, je ne souhaitais pas qu'elle meure, personnellement. Donc je suis très content, en tout cas dans cet épisode, que Henry n'est pas mort. Parce que je pense que Henry, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec lui. Et notamment, pourquoi pas, lui donner quelques arcs scénaristiques de Carl, hein, ainsi qu'à Elide, pourquoi pas. Et je pense que l'arc des chuchoteurs peut être traité en utilisant peut-être ces deux personnages-là. Pour ceux qui comprennent bien évidemment de quoi je parle. Hein. No fucking spoil. Mais, malgré que cet épisode fut un excellent épisode, il y a quand même quelque chose, et ça vous l'avez certainement remarqué, qui m'a énormément énervé, mais vraiment, c'est la réaction de Rick par rapport au sauveur. Je trouve que l'attitude qu'il a eue est moralement indigne. Le Rick qu'on connaît n'a qu'une parole. S'il décide de tuer quelqu'un, il tue quelqu'un. C'est vrai qu'on l'a déjà vu faire des trucs un petit peu comme ça, inhumains. Là, tuer des gens qui en plus les ont aidés, parce que si les sauveurs n'avaient pas détaché Rick et Morgan, à l'heure actuelle, ils seraient morts. On n'en parlerait même plus. De plus, Rick se fait attaquer par un rôdeur et sauvé par un Saviors. Mais malgré tout ça, un petit regard de Morgan suffira. Et il décide de buter tout le monde, y compris les gens qui l'ont aidé. Et c'est déjà d'une, c'est pas cohérent, parce que s'il fait ça, pourquoi il ne tue pas les autres sauveurs qui sont restés à la colline? Tout simplement, il aurait même pu leur dire, allez, venez, si vous voulez vous intégrer, venez m'aider à récupérer les vôtres. Et une fois dans la forêt, il aurait même pu buter tout le monde et rentrer tranquillement en expliquant que bah, ils n'ont pas survécu, tout simplement. Pourquoi il laisse certains en vie et pas d'autres, alors que ces gens-là ont clairement montré, ne serait-ce que dans leurs paroles, en se retournant un petit peu contre Jared, en leur disant non, on va pas les tuer, on peut très bien écouter ce qu'ils ont à dire, et pourquoi pas tout simplement faire comme eux ils disent, parce que ça peut être une bonne solution pour nous. Mais non, Rick, il tue tout le monde, et ça, c'est quelque chose qui passe pas. Je suis désolé, j'adore Rick, je comprends qu'il soit pas bien moralement, psychologiquement, par rapport à ce qui est arrivé à son fils, c'est tout à fait normal. Je pense que, à sa place, j'aurais aussi envie de buter du monde autour de moi, mais
je suis quelqu'un quand même qui reste humain, quelles que soient les circonstances, et quelqu'un qui me sauve la vie, qui m'aide, qui va dans mon sens, peu importe ce qui se passe autour de moi, je ne pourrai décemment jamais me dire « je le tue ». Quoi. Alors, j'ai bien conscience que certains d'entre vous ne vont pas forcément aller dans le même sens que moi, mais moi, je trouve que c'est pas bien ce qu'il a fait. Voilà, ça change rien, hein. On adore Rick. Hein, je veux dire, Negan, il a bien fracassé la gueule de Glenn, c'est pas pour ça qu'on l'aime pas. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui à mon avis, aura des conséquences par la suite, et on le voit d'ailleurs à la fin quand il lit la lettre. D'ailleurs, ça, putain, j'adore quand il nous coupe les épisodes comme ça, voilà, parce que t'as envie quand même de savoir ce qu'il y a écrit dans la lettre. Est-ce qu'on le saura? Je pense que oui, hein, ne serait-ce que par les actes et les paroles qu'aura Rick par la suite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui va lui peser sur sa conscience, et qui par la suite aura des conséquences. Voilà. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais en dire. Cet épisode était quand même super. Alors on notera aussi le retour d'Ezekiel. Bon, qui n'est pas très flagrant à l'écran. Mais je suis content quand même qu'il ait retrouvé Henry. Car je pense que qu'il est très attaché à ce gamin. Et je pense qu'après la mort de Shiva, la perte d'Henry, ça aurait vraiment fini par le détruire complètement. Bon, après, j'ai d'autres théories dans ma tête, mais je les garde pour moi. Mais si vous regardez mes vidéos, je pense que vous savez déjà ce que je pense par rapport à Ezekiel et Carole. Donc voilà, les amis, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude, comme chaque semaine, ce que vous avez pensé de cet épisode. Faites-moi également savoir quels sont vos avis pour l'épisode prochain. Qu'est-ce que vous pensez qui se passera, ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe. Quant à moi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous faire la routine habituelle, à savoir que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez bien entendu un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. La route va être très très longue, j'en ai bien conscience, mais je sais que grâce à vous, on peut y arriver. Je rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et pour toutes les personnes qui auraient envie de communiquer avec moi, je les invite à ne pas hésiter une seconde à m'ajouter et à venir me parler tout simplement. Les personnes qui ont déjà communiqué avec moi pourront vous dire que je réponds en général à tout le monde, même dans l'espace commentaire des vidéos. Donc n'hésitez pas à parler avec moi et à communiquer. Et je rappelle bien entendu également qu'il ne faut pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rater qu'une prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Alors ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois, mais c'est très important. Il y a énormément de bugs sur YouTube en ce moment. Des fois, même en activant la cloche des notifications, vous ne recevez pas forcément les notifs. Donc pensez à le faire. Comme ça, dès que les vidéos sortent sur la chaîne, vous êtes directement averti et vous pouvez les regarder directement. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, il y en a beaucoup qui ne reçoivent même pas les notifs, comme je viens de l'expliquer. Et certains pensent même que des fois, leurs youtubeurs ne sont pas actifs alors qu'ils le sont. Donc c'est voilà, c'est très important de tout le temps regarder ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas à tout le temps venir sur la chaîne, voir s'il y a de la nouveauté, etc. Bref, de toute façon, vous connaissez les bails, les amis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Alors ne vous inquiétez pas, l'épisode 5 de Stranger Things n'est pas encore sorti, mais il va arriver. No stress. Donc, quant à moi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. Mine and more. Yeah. In the mine and more.